Régine Cavagnaud remporte sa première victoire de la saison. Souvent reléguée aux places d'honneur, la skieuse de la Clusaz, cette fois, n'a rien laissé au hasard. La piste de Val d'Isère n'avait pas connu de victoire française depuis 1971. Régine Cavagnaud a mis fin à cette attente en s'adjugeant le meilleur temps devant l'Autrichienne Michaela Dorfmeister. À 30 ans, Cavagnaud remporte la sixième victoire de sa carrière. Elle conforte surtout sa première place au classement général de la Coupe du Monde de Super-G. Le succès est contagieux dans le clan français, puisque Carole Montillet prend la troisième place.